Bonjour à tous, ici Raito, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle série, Rat Division 1, qui va consister en quoi? Le mode de jeu, donc ici saison en ligne. Alors le but, comme vous l'avez vu certainement par rapport au titre, ça c'est évident, on va essayer d'atteindre la division 1 en ligne. Alors comme vous le voyez, chaque division a un nombre de points maximal qu'on ne peut pas dépasser. Par exemple, je m'explique. La division 10, comme vous le voyez, il faut 9 points pour monter à la division suivante. Et 12 points pour être champion. Donc, peu importe la division, on aura à chaque fois 10 matchs à notre disposition. Et après les 10 matchs, ben, la saison sera finie. Et en fonction du nombre de points, on passera à la division suivante. Ou bien, on restera dans la division. Ou bien, on reculera et on atterrira dans la division antérieure. Alors, il faut savoir que si on atteint le nombre de points pour être champion avant la fin des matchs, alors la saison se finira automatiquement. Alors j'ai mis une nouvelle règle pour cette série qui sera donc très simple. Par division, j'ai le droit de choisir une et une seule équipe. Je m'explique. Par exemple, pour la division 10, si je décide de jouer cette division 10 avec l'Olympique de Marseille, une fois la division 10 terminée, que je suis resté dans cette division ou bien que j'ai reculé, bon en l'occurrence ici c'est pas possible, mais si jamais ça devait arriver dans une autre division, donc que j'avance, je reste ou je recule de division, eh bien je ne pourrai plus jouer avec Marseille. Comme ça m'évitera par exemple de jouer tout le temps avec le Real de Madrid dans toutes les divisions et peut-être d'accéder de cette manière à la division 10. Alors, pour cette division 10, donc on va lancer notre premier match. Pour cette division 10, j'ai décidé de sélectionner, comme je vous l'ai dit, on va jouer avec l'Olympique Lyonnais. Donc oui, c'est un choix arbitraire. Pourquoi l'Olympique Lyonnais? Parce que c'est une équipe... oui, change d'équipe. C'est une équipe qui a beaucoup de potentiel, de jeunes joueurs, un jeu vraiment très rapide et qui n'est pas non plus trop forte. Comme ça, je pourrais la garder pour la division supérieure. Et c'est aussi une équipe avec laquelle j'aime bien. Et non plus qui n'est pas trop faible, on va dire, pour rivaliser. Alors, on va jouer à domicile. On va changer les équipes. Donc, il faut savoir qu'en division, en mode saison, l'état de forme des joueurs dépend de la réalité. Donc, à l'heure actuelle, comme vous voyez, la Lacazette. Il y a une petite flèche verte près de son nom parce qu'il est en grande forme. Alors au niveau de la gestion, on va mettre Lacazette, Depay, toi plutôt en milieu offensif, Fekir côté droit, côté gauche on va faire entrer Valbuena, Yang Mbiwa défenseur central à la place de Manama, Gonalon, Tolisso, Depay, c'est parfait, ok. Bon au niveau des joueurs, je pense que... Ah oui, Raphaël, mon petit Raphaël, non Jallet, on va laisser Jallet. Niveau dispositif, j'aime bien le rôle. Alors, coup franc court de paille, coup franc long de paille, penalty, ben, tiens, on verra bien. Le corner gauche, passe courte. Il faut avoir une bonne stat de passe courte. Non, il fait un mauvais effet. On va mettre Valbona. Bon, en plus, il est petit, donc ce sera parfait. La casette coup offensif dans le dos de la défense, tactique. On va jouer donc en contre-attaque. Et voilà, on est parti. Voilà, et donc là, maintenant, on va rechercher un adversaire. J'espère tomber sur l'adversaire assez vite, sinon je vais devoir couper au montage. Donc comme vous l'avez vu, maintenant j'ai 10 matchs à jouer avec Lyon. Et il me faut 12 points pour être champion. Et 9 points pour rester dans la division. Bien, bien sûr, là c'est la division 10. Donc comme vous pouvez vous en douter, ce sera assez facile je pense. Bien que ça dépend du niveau des adversaires. On attend. Si, allez, on va dire dans 30 secondes s'il n'y a pas de... L'adversaire, je couperai au montage et je reprendrai lorsqu'on trouvera l'adversaire. S'il vous plaît, on veut un adversaire. Allez, on va commencer quand. On va pas me dire qu'il n'y a personne en division 10 quand même. Bon, en même temps, l'heure à laquelle je tourne. Et voilà, je reprends donc, comme promis, on a donc trouvé un adversaire. Et j'espère que ça va aller. Enfin, en tout cas, j'espère surtout que la connexion va aller. Alors, on est prêt. Je sais pas du tout avec quelle équipe il joue. Donc, on verra, on va le découvrir ensemble. Là, on est en train de chauffer un petit peu dans l'arène avec Tolisso, qui a vraiment une qualité de frappe dans le jeu ou que ce soit dans la réalité exceptionnelle. Tolisso, on espère pouvoir gagner aujourd'hui. Bon, le chargement toujours. Ah, voilà. Le petit signe IE, hein, on reconnaît. Ok, c'est parti. Ok, c'est plein jour, il joue avec Chelsea. Ok, Chelsea, bien, on va jouer en pressing, mais plutôt
Oh, défensif. J'espère que ça bug pas. J'espère que tu as une bonne connexion, mon ami, sinon tu vas m'entendre rager. Et ça, c'est pas bien pour le contenu de la vidéo. Bien joué, ça. Allez, Valbona. Là, tu mets dans le vide. Dans le vent plutôt. Là, tu centres. La Lacazette, mon ami. Tu peux centrer pour Valbona, qui peut remettre de la tête. Ouh là 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 là. Ça commence plutôt bien. Enfin, bien, ça va, c'est juste offensif, mais allez-y. Morel. Ok, là, tu vas jouer en haut. Ok, là, il faut faire gaffe parce que Hazard, il a de la vitesse dans le jeu. Et Yanga Mbimoa n'est pas en reste non plus. Il va essayer de passer, ça passe pas. On l'a vu tout en haut, on change d'aile directement. Bien joué, ça. Et là, tu donnes. Là, il m'a anticipé. Mais ça, c'est bien joué, on joue en l'air. La casette, c'est pour nous la touche. Quoi? C'est pour eux? Ok, bon. David Luiz. Donc, les premières minutes, c'est toujours important quand vous jouez en ligne d'essayer de voir comment joue l'adversaire. Est-ce qu'il joue bêtement comme les gens courent tout droit, en profondeur, ou bien qu'il vraiment essaie de construire, plutôt geste technique, etc. Donc, là, il a l'air plutôt de jouer sur le flanc, assez rapide, peu de geste technique. Ça, tant mieux, parce que jouer contre quelqu'un qui sait faire, bon, à part les crochets, bien sûr, mais qui fait vraiment énormément de geste technique, ça, c'est un peu chiant. Ok. Ok, ouf, la fin de frappe, là, j'ai mis dans le vent. Bien, je fais Fekir. Côté gauche, tu peux donner pour la Lacazette. Il est passé, la Lacazette. Il est passé, mon ami. Ok, sorti. Qu'est-ce que je dis, moi? Non, dégagement. Oh, quelle passe. Dommage. C'était bien joué de sa part. Fekir. Tu l'as vu. Ouf, tac agressif sur l'arbitre. Heureusement qu'on l'a vu, Gonalon. Allez, relève-toi, j'ai besoin de toi. Arrête de faire ton chichi. Eden Hazard. Là, il va jouer côté en dessous. Bien joué, c'est l'interception. Allez, de paille. C'est là où il faut exploser. Ah, là, trop. Beaucoup trop prévisible. C'est pas. Bon, on verra bien au fur et à mesure on jouera avec l'équipe. On sera plus. Allez, plus habitué à jouer. Sur l'arbitre. Il rentre dedans. Oh purée. Oh là là. Là, il a bien joué. Là, franchement, c'est bien joué de sa part. Là, il va contrer. Il va essayer de centrer. Ah, là, Tolisso. Tu l'as, Tolisso, mon ami. Mais oui. Et là, de paille. Et là, tu pas que tu donnes. Et la casette. Et là, il doit partir la casette. Exactement ce qu'il faut faire. Ah, trop long. Trop long. J'allais, vas-y, j'allais. Allez, Christophe. T'es présent, Christophe. Ngambiwa, excellent ça. Bien joué ça. Et là tu donnes, et là tu peux donner. Voilà. Fekir. Tente le centre, Fekir pour la casette. La casette mon ami, mets ta tête, plonge. De paille. Oh purée, elle a été déviée. Elle a été déviée heureusement parce que je pense qu'elle était vraiment placée. Bon, en même temps c'est Courtois au goal donc ce serait un peu trop con de s'avancer. Allez Costa mon ami. Koulibaly. Non, Diakabi plutôt. Voilà, on joue petit. Mais il y a faute, monsieur l'arbitre. Une carte, s'il vous plaît, faites ta clé. Aspilicueta. Regarde cette tête-là. Ouais, bah, pas vous, monsieur, hein, l'autre. Ok, Aspilicueta. C'est bon, on l'a vu, le tacle. Ok, Diakabi pour Depay. Mais pourquoi je fais le malin comme ça? Parce que j'aime faire du show, je sais. C'est pas bien. Là, on fait la feinte. Là, il lance. Non, il lance pas. Non, non. Voilà comment on défend. C'est comme ça qu'on défend sur truc, c'est en reculant et en anticipant, en faisant des mouvements pour essayer de perturber l'adversaire. Pour qu'il ne sache pas s'il doit faire des passes ou pas. Enfin là, passe plutôt en l'occurrence, profondeur. Oh, c'est bien joué. Ah, c'est ouais, bien joué. Kanté. L'insaisissable Kanté, évidemment. Bien joué de sa part. Non, c'est bien placé. Ok. Ok, c'est parti, Pigix. La casette. Fekir. Tu l'as vu. Ouf, de paille la frappe, c'était bien joué. Allez, on peut revenir, ça, c'est juste un zéro, faut pas désespérer. Valbuena pour centrer. Mais le problème à Lyon, c'est qu'il n'y a pas vraiment de gabarit physique. Diakabi. Yanga Mbiwa. Morel, bien joué ça, Morel. Morel, tu l'as vu, Morel. Oh là là, encore une fois trop long. Bon là par contre il a exagéré.
Par contre, tout en haut là, bien joué ça. Monsieur l'arbitre, s'il vous plaît, c'est faute là. Mais pourquoi il donne pas un carton là? Ça casse le jeu quand même, je suis pas fou. Ok, j'allais. Guillaume. En temps de construire. Hein. Ok, Tolisso. Là, t'es passé, Tolisso. Là, tu fais mal. Là, tu donnes. Allez, la casette, s'il te plaît. Monsieur l'arbitre, s'il te plaît. Rentre dedans. Non, ok. Bon. Bien défendu sa part. Là, par contre, on l'a vu. Bien joué, ça. Excellent de paille. Allez, c'est pas possible. Mais cours-toi. Quel grand gardien. Ah, la carte, enfin. Enfin, une carte jaune, Messi. Merci, monsieur l'arbitre. Kyle, en plus. Son défenseur central. Donc, on devrait essayer de. Là, par contre, j'ai fait n'importe quoi. De quoi? Ça, c'est que j'ai récupéré le ballon. Et là, le centre. Vas-y, j'allais. Oh, purée, cette frappe. Eh, c'est Christophe. Mais oui. Mais qui ça peut être d'autre? Ça peut être tout le monde, en fait. Mais c'est Christophe. Excellent. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé. Ah, cette frappe en pleine lucarne, côté gauche. Magique. On va revoir. Vraiment, vraiment bien placé. Hein. Là, les gardiens. Pour l'arrêter, fallait se lever tôt. Hein. Est-ce qu'on aura un autre ralenti? Non, ok, bon. C'est pas grave, je le mettrai. Quand je ferai des top buts, je le mettrai dedans sûrement. En tout cas, laquelle but, enfin, quelle action surtout. Voilà, il revient pas à la faute, hein. Ouais, il a joué, ok. Ouh là là là, oh Costa. Mais ses yeux. Voilà, tout le tempérament de ce joueur, hein, il perd le ballon, il s'énerve. Ok. Ok, la casette. Là, tu vas à la casette. Oh, même sur l'arbitre, s'il vous plaît. C'est un tac par derrière qui vise à casser l'action. C'est la carte quand même. Pas de carton. Une petite jaune. Ou la rouge. À vous de jouer. Ah oui. Quand c'est comme ça, c'est sûrement la jaune. Quand c'est cette animation. Voilà, ton aise, viens ici. Regarde-moi quand je te parle. Voilà, carton jaune. Je te donne un carton jaune tout en étant asiatique. Non, je rigole. Tac, 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 c'est parti. J'allais. Allez, Christophe. Bim, la tête. Ok, on gagne Biwa. On va essayer de rejouer vite maintenant. Non, la passe trop longue, c'est pas grave, c'est pas grave. On est venu au score, c'est ça le plus important. On se crée des occasions. Et il faut surtout bien défendre parce qu'ils ont vraiment devant, ils ont des joueurs de qualité. Ok. 4 tirs cadrés, 2 tirs cadrés, bon voilà. Précision des deux côtés. On va voir ce que ça donne. Je ferai rentrer peut-être. Comment il s'appelle encore? Ghezal, c'est ça, ouais. Ghezal plus tard. Là, je vais encore jouer un petit peu, puis je fais les changements vers la 60e. Bien joué, ça. Ah, dommage. C'est trop axial. Là, on l'a vu. Là, on sait ce qu'il va faire. Il va courir tout grand. Ou bien, il va la mettre en haut. Ah non, il met dans l'axe. Ouh, là, il a bien écarté, là. Vas-y, reviens, estompier droit. Bien joué, Christophe. Christophe, j'allais peut-être l'homme du match. Le plus beau match de sa carrière. C'est aujourd'hui que mon petit Christophe. Oh non! Oh le décalage. Ouh là c'est. Je vais pas dire que c'est mal joué, mais franchement, il était seul devant le goal. Il suffisait qu'il fasse l'intérieur du pied. Normalement, ça rentre 9, chances, 9 fois sur 10. Ok. Vas-y, Morel. S'il me tacle. Mais c'est qu'on a mignon ici. Mathieu. Ok, Fekir. Oh purée, le tacle. Ok, ça va. C'est bien taclé de sa part. C'est pas faute. Là, par contre. Le geste était bien, c'est juste que. Je me suis mis trop pression. J'ai vu qu'on était beaucoup. Je me suis dit, faut pas que tu rates ça. Et du coup, bah, je l'ai raté. Hors jeu, non? Non. Ouh! Oh là 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 là. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'était chaud. La frappe, franchement, il l'a placée, mais genre. Magnifiquement bien quoi. Heureusement pour nous, c'est pas rentré. Là on met le petit geste qui passe. Non, il a anticipé, bien joué. Il s'est pas lancé.
Si c'était lancé, il aurait eu le ballon sur la passe. Ok, Costa là dans l'axe. Bien joué, là tu donnes. Ah là là, le geste trop court encore une fois. Costa il est pas rapide quand même, il ne prend pas de vitesse. Bon là, Christophe Jallet, mais oui. Le seul unique, qui ça peut être d'autre? On se le demande. Valbuena. Là tu passes Valbuena, ta technique. Ça c'est Mathieu ça. Et ça va vers la surface. Oui, séquence de passe. Oh, bien joué ça. Mais c'est bien construit. Il revient à la faute. Et là on a un bon tireur de coup franc de paille. Bon là il va donner un carton jaune, évidemment. Et là c'est le coup franc. Ah c'est là la faute. Ah. Je vais quand même tenter. Ah. Donc on prend de paille, double de paille. Ici, voilà, des bonnes stats. Et on fait signe de reculer, bah ouais. Hein. On n'avance pas mon ami. Alors, je vais l'attendre enveloppé. Je vais l'envelopper. On l'enveloppe. Ah non, non. Mal tiré. Ah oui, j'ai pas le ballon, je peux pas encore faire start, c'est vrai, j'ai oublié ça. Ok, bon. Ça va, ça se passe bien. Il a eu une grosse, grosse occasion. Peut-être la meilleure occasion du match. Avec ce tir sur le poteau. Puis il n'a pas réussi à la reprendre. Et là, là avec Hazard, on l'a bien vu. C'est bien, les amis. C'est comme ça qu'on joue au football. Et là, tu donnes. Et là, la casette. Ah non, j'ai pas vu ce défenseur en fait. Ok, on va essayer de retrouver un jeu au ras de sol. Parce que physiquement, je répète, j'ai pas des gros attaquants avec un gros gabarit. C'est juste des petits joueurs rapides. Très fort techniquement, mais ça s'arrête là quoi. Voilà, petite passe, petit jeu court. Et là, on écarte plus loin. Là, tu vas le Bona. Valbuena, tu l'as vu. On a long, la fin de frappe trop courte, une fois de plus. On l'a vu le crochet, on l'a lu. Et là, tu peux donner. Ah, bien, je peux tacler. Là, c'est ballon pour moi. Non, mais je peux toujours pas faire start. Ah, voilà, là, je peux. Ok, alors, les changements. Notre petit Ghezzalé, il a un très bon pied gauche. On va le faire rentrer à la place du Fekir. Dardeur, je ne connais pas ce joueur. Ok, il a l'air d'avoir des bonnes stats. À la place de Gonalon. Et comme il faut un peu de vitesse sur. Est-ce que c'est un bon. Oui, donc au niveau de la vitesse, ça va. À la place de Diakabi. Parce que je préfère faire match nul que. Qu'être négligent vis-à-vis de la défense et ensuite de perdre les points quoi. Ok, là c'est un centre plutôt bien placé. Encore une fois de plus, c'est pas à cause du centre en lui-même, c'est surtout à cause des joueurs avec un gabarit non existant. Ok, Tolisso. On va écarter, là tu pars, là tu pars, là tu pars. Bien joué ça, Ghezzal. Allez mon petit, fais-le Ghezzal. Vas-y Ghezzal. Ghezzal. Dommage, le centre c'était frappe, mais pas assez bien placé pour rentrer. De toute façon, ça vous l'avez vu. Hein. Costa. Il est en profondeur ou pas? Il va essayer de jouer en profondeur. Il va essayer. Non, il va essayer. On bloque ici. Non, non, mais non, il va faire la passe. Ok. Ouf. Ah, il a une crampe, c'est con ça. Vas-y, monte. Monsieur arbitre. Ça c'est un tacle, mais il a déjà reçu une jaune en plus, que l'éclair. Il a déjà reçu une jaune. C'est la rouge ça. Mais oui monsieur l'arbitre, la rouge. Quelle agressivité dans ce jeu, incroyable. Moins 18 ans. Non, qu'est-ce que j'ai foutu, Christophe. Ok, bon là on va se calmer. Vous voyez tout en haut là-bas, il y a Willian. Soit il essaie de jouer sur lui. Là il faut mettre dans le doute, vous voyez. Vous mettez comme ça avec des petits mouvements dans le doute, il sait plus quoi faire. Et après vous êtes tranquillement, vous récupérez le ballon. Et après vous partez en contre. Bon, ça c'est autre chose. De paille. Vas-y la casette. T'es passé mon ami. Alexandre. La casette. Le centre. Contre poitrine. Reprise de volée. Ah Thibaut, mon petit Thibaut, tu vas te calmer toi. Hein. T'es parade, magnifique. Allez, on tente un corner. Fort. Là tu l'as vu. Allez, la casette, s'il te plaît, impose-toi. Oui. Non. Encore ce défenseur, c'est incroyable. On reconnaît bien la défense de Chelsea hein, sur ce coup-là. Allez Mathieu. Un bon centre comme il faut. Ok, il a fait start. Bon, moi je vais aussi profiter pour donner des instructions à mes joueurs. Dardeur. Rester en derrière. Tolisso. Montée. Depay. Libre offensif. Bon, rester devant. J'ai pas envie qu'il vienne défendre parce que là on en a vraiment interception agressive. Voilà. Toujours à chercher le ballon.
Il récupère le ballon, c'est grave ce qu'il vient de faire. Ouf, j'ai eu de la chance, petit pont là. Voilà, on a récupéré le ballon. Et là, on peut y aller. Et là, on peut y aller. Vas-y, la casette. Alexandre. Le centre qui est un peu hasardeux. C'est bon, Thibaut là. Là, on y va. Là, il va dans la profondeur sur l'autre. Voilà, on récupère le ballon. Bien joué ça. Un centre. C'est Mathieu Valbuena de la tête. Il se bat bien, le petit. Ok, récupère, récupère. Tu l'as vu mettre ça en haut. Tu l'as vu dans l'axe. Oh purée, c'est pénalty. Ouh là 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 là. Ok, il a été gentil. Moi aussi, en lui rendant le ballon. Allez, allez, allez. C'est pas le moment, c'est pas le moment de flancher. Qu'est-ce qu'il faut là, David Luiz? Quel cafouillage. Ok, temps additionnel. Mais c'est pas possible. Mais Mathieu, mais s'il vous plaît, la précision dans les passes. Voilà, il va siffler par contre. Mais c'est un, voilà. Ok. Match nul pour ce premier épisode. Donc, je trouve que c'était un match sympa, sympathique. Voilà, donc vous voyez, j'ai un point. Pour monter, il me faut 12 points, enfin 9 points. Et pour être champion, il me faut 12 points. Mon premier match, voilà. J'espère que la série vous plaît. Et on se dit donc au prochain match avec toujours l'Olympique Lyonnais et toujours sur la même chaîne. Allez, au revoir.